Bonsoir, mesdames et messieurs. On est ici encore en virtuel à la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement pour le 7 février 2022. Hello, everyone. We find ourselves once again virtually. I am alone here at our council chamber, but as usual, accompanied by not only the members of our administration, and I thank them for being with us once again this evening, but also the members of council. On est accompagné de nos services ce soir, comme d'habitude. Je les remercie sincèrement pour leur participation, mais aussi les membres de notre conseil. Je suis accompagné ce soir, bien sûr, de Catherine Clément-Talbot. Bonsoir, good evening. Madame Louise Leroux. Bonsoir, good evening. Benoît Langevin. Good evening. Et Monsieur Shahi Tarakjan. Bonsoir, good evening. Avant qu'on commence avec la période des questions de nos citoyens, j'ai quelques items à vous annoncer ce soir. L'assouplissement des mesures sanitaires nous permet enfin de vous annoncer le retour de nos spectacles en salle. Je sais que Mme Catherine Clément-Talbot est très, très contente parce que ça fait presque deux ans qu'on attend. On avait quelques spectacles, bien sûr, pendant les deux années, mais maintenant, on espère que ça va rester avec les spectacles en personne, en présentiel, très bientôt. De cette semaine, nous dévoilerons la nouvelle programmation culturelle de Pierrefonds Roxboro pour l'hiver-printemps 2022. Nos spectacles thématiques feront à nouveau leur apparition au Centre culturel de Pierrefonds et au Théâtre Beaubois. Soirée cabaret classique du dimanche, sortie en famille et volet hors série. Pour la première, nous lancerons cette programmation avec la présentation d'une soirée humeur Comedy Club le 26 février 2022. Afin de vous permettre de renouer ou de découvrir notre offre culturelle soigneusement sélectionnée par notre équipe dédiée, l'arrondissement offrira gratuitement l'accès au spectacle pour la période hivernale et printanière, tout comme nous l'avons fait l'automne dernier. En conformité, bien sûr, avec les mesures sanitaires en vigueur par la santé publique, le passeport vaccinal avec une pièce d'identité sera exigé et un nombre limité de spectateurs sera admis. Notez aussi qu'en raison du contexte pandémique, il sera possible de réserver votre billet pour chaque spectacle seulement 2 semaines avant la présentation de celui-ci. Restez à l'affût de nos canaux de communication pour être les premiers à découvrir notre programmation et visiter, bien sûr, le site web, page Facebook et billetterie en ligne via la plateforme Tuxedo. Once again, of course, now that we know that some of the measures are being lifted, we are very, very happy and excited to announce once again the return of our cultural series presentations. This week, we will be announcing the winter-spring schedule 2022 for our cultural presentations in Pierrefonds Roxboro. The thematic shows, of course, will be presented at the Pierrefonds Cultural Center and once again at the Beaubois Theater. Then they will include a wide array of presentations, and we are very excited about it to begin with the first one, a comedy club series on the 26th of February. To allow you to discover some of these wonderful presentations, we are once again offering these shows free of charge to our residents, and we are asking you to log on to our Facebook, our social media feeds, of course, to find out how to register for these events and to limit the number and to respect all the sanitary measures. We are asking that this is done 2 weeks before any presentation. And once again, the vaccine passports and IDs will be requested at the door upon entering these facilities. Parlant de programmation, l'équipe de la Bibliothèque de Pierrefonds vous a concocté également une belle liste d'activités à faire pour apprendre ou pour vous divertir. Bricolage pour la Saint-Valentin,
à apporter à la maison lecture à distance pour les 60 ans et 65 ans et plus, atelier de création d'un circuit électrique, conférence sur la motivation scolaire, conférence sur l'univers des réseaux sociaux et j'en passe. Sans oublier une programmation toute spéciale pour souligner le mois de l'histoire des Noirs qui vous sera dévoilée cette semaine. Visitez la bibliothèque en personne ou consultez nos canaux de communication pour voir l'offre de services. At the library, we have, of course, a large number of activities that are being planned as well. We request for all ages. We even have, for example, some crafts that can be done for St. Valentine's Day and brought home to do at the comfort of your own homes. Conferences, of course, and some other activities that are planned by our extraordinary staff at the Pierrefonds Library. And of course, we will also be announcing the scheduling for Black History Month this week. Please stay tuned to all our social media feeds and our website to find out more information on some of these wonderful activities. C'est parti pour les inscriptions au nouveau camp de relâche de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro offert en partenariat avec l'organisme YMCA. C'est vraiment un plaisir de pouvoir maintenant tenir des camps ici même sur le territoire de l'arrondissement, dans nos installations et quelques pas à la maison pour les familles. We're very excited to have our camps once again return for the winter season offered by our partner YMCA. And this can be done close to home in some of our facilities. We have a wonderful partnership with the YMCA and they are providing the services for us once again this winter for our camps as they did last summer. And the programming is available to children 5 to 12 years old. And it is based on the availabilities that will be made as we go forward. And we ask you again to go to our site and find out more information about this. Monsieur Tarakjan, vous avez un message aussi pour nos citoyens. Oui, merci, Monsieur le maire. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'aimerais partager avec vous quelques nouvelles concernant mon poste de conseiller d'arrondissement. Il m'a été donné le privilège et les responsabilités de diriger le volet de développement socio-économique auprès des gens d'affaires de Pierrefonds-Roxboro. J'en suis très heureux et j'espère avoir le grand plaisir de vous rencontrer dans un avenir rapproché. Good evening. I hope you are doing well. I wanted to share with you some news regarding my position as borough councillor during my mandate here in the city. I've been given the privilege and the responsibility to be the lead in growing our social economic development with our local businesses here in Pierrefonds-Roxboro. I'm excited and I look forward to meeting you all in the future. Thank you. Merci, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Tarakjan. Je sais que vous êtes très dévoué pour donner un service supplémentaire à nos commerces, pour encourager, bien sûr, pendant ce temps très difficile, les deux dernières années surtout. Et je sais que vous êtes la personne pour le faire à l'arrondissement avec les connaissances que vous avez en développement économique, surtout pour les petits commerces de l'arrondissement. Bravo. Exactement. Je vous félicite et je vous souhaite bonne chance dans ces nouvelles responsabilités. Depuis le début du mois, deux plaintes concernant la coupe d'arbres sur le territoire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro ont été enregistrées par le réseau express métropolitain. Nous avons eu la confirmation qu'un suivi du REM est en cours avec Nouvelle-Ère et les deux citoyens sur la rue Logan afin de répondre à leurs questions et d'expliquer des étapes subséquentes dans ce dossier. Jusqu'au printemps 2022, la station Sunnybrook et la station Pierrefonds-Roxboro, les travaux de construction des fondations se poursuivent, tout comme les finitions du tablier de la structure aérienne. Vu la proximité des résidences, les travaux pourraient générer du bruit et des vibrations. Or, un mur anti-bruit temporaire a été érigé près des résidences par les équipes du REM. Sachez que nos services de l'arrondissement continuent de suivre les travaux sur le territoire pour veiller à ce que les entités
responsable de ce grand projet, déploie toutes les mesures nécessaires pour limiter les impacts sur la qualité de vie de nos résidents. Speaking of our REM stations, we have received, or the REM authorities have received, two complaints regarding the cutting of some trees that were done on the servitude. The information was given to our partners, and they have been and will be in communication with the two residents concerned, particularly the ones living on Logan, and they will ensure the proper follow-up to explain not only the situation, but the steps that they will continue to follow as they move forward. There will also be, up until the spring of 2022, major work that will be taking place at the Pierrefonds, Roxborough, and Sunnybrook stations that will result possibly to some vibration and some noise in that area. All the information is available through the REM site, and we encourage our residents, if they don't know of that information, to please connect with our social services, our social media feeds, and of course our internet, to be able to find out where to reach and who to reach if they have additional questions. Madame Talbot, je pense que vous avez quelques commentaires à ajouter. Ben, c'est pas nécessairement des commentaires. D'abord, je vous remercie, Monsieur le maire. On a l'enthousiasme du printemps presque. Hein? We're all happy that winter is now not finished, but still it's getting better every day. We're having longer days anyhow, and I just wanted to thank you to give me the permission to talk, et je vous remercie de me permettre de m'adresser à la population, à notre conseil d'arrondissement, puisque c'est là où on est en contact, on peut être en contact avec toute notre population, grâce à Zoom et grâce à la publication que l'on fait sur les réseaux. On a une dame qui nous quitte, une dame qui s'occupait des sports, des loisirs, de la culture, des affaires sociales, Francine Gervais. Et elle s'en va dans une nouvelle carrière qui est une continuité. Et elle a été avec nous pendant 6 ans. Et je lui souhaite toute la meilleure chance. Et ça a été un plaisir de travailler avec elle, particulièrement pour moi, dans le domaine de la culture. Merci, Monsieur le maire. Thank you. Francine, I wish you good luck. I wish you good luck in your new a new career, but still involved with culture and multimédia. Thank you, Francine. Madame Talbot, merci beaucoup pour l'intervention. J'ai quelques journées symboliques à vous annoncer ce soir. Avant de terminer, bien sûr, la séance comme d'habitude, je souligne quelques journées symboliques pour le mois et dans ce cas pour le mois de février. Aujourd'hui, le 7 février, est la journée mondiale sans téléphone mobile. Comme vous le savez, cet outil de communication a changé les rapports humains à plusieurs niveaux. Et ce, dans le bon et le mauvais sens. La réflexion est toujours de mise pour en faire bonne essai. Je vais vous dire que c'est complètement presque impossible de vivre aujourd'hui sans le téléphone mobile. And there are times I have to tell you that we wish we didn't have this mobile device in our hand, because it takes us away from living moments sometimes that we can't get back. And so as much as possible, we try to live without our mobile devices, but in this world moving so quickly, it is sometimes virtually impossible. So we try to do this, on the other hand, but not always possible. Le 11 février, c'est la journée internationale des femmes et des filles de science. Nous l'avons vu des 2 dernières années. Leur place a été primordiale dans la lutte contre la pandémie, de la recherche jusqu'à la vaccination, en passant par le développement. Madame Talbot, vous avez quelque chose à ajouter concernant la vaccination? Oui, merci, Monsieur le maire, encore une fois. La vaccination, c'est un passeport au mieux-être que j'espère le plus tôt possible. Nous avons des endroits, je sais que vous les utilisez, notre CIUS fait des démarches, se promène, fait du porte-à-porte pour encourager la vaccination de tous. Please, please, please,
go and get your shot, go and get your vaccine. The third one is important. Hein? Le troisième est très important. Il y a une, on a constaté une baisse. Vous savez que tous les lundis, la ministre Rouleau partage avec les élus une demi-heure ou une heure et elle nous permet de poser des questions. Alors, on se renseigne. Faites l'effort, s'il vous plaît. So, everybody, please, get your shots. We have the centre Robertson, Jerry Robertson, in Pierrefonds. You keep them busy, but keep them very busy and please, please, please do so. On va pouvoir recommencer la culture, on va recommencer nos sports, on va recommencer nos activités en famille. Et les bulles, ben, on va les faire moins restrictive. So there's lots of so pleasant thing, but a vaccine is a good little passport. So merci beaucoup, Monsieur le maire. Madame Talbot, merci beaucoup pour ce message très important. Le 13 février, c'est la journée mondiale de la radio. Ce média reste encore fiable et important dans la communication de masse, malgré l'ampleur des réseaux sociaux qui prennent de plus en plus de place dans le paysage et l'information. Le 14 février, c'est la fête de Saint-Valentin. Propagez l'amour autour de vous et profitez-en pour chérir vos douces moitiés. Vous savez, j'ai eu la question de mon collègue M. Langevin pourquoi j'avais la cravate rouge. Et c'est exactement pour cette raison. C'est pour les amoureux et les amoureuses de la communauté que j'ai mis le rouge. Et je sais que Mme Louise Leroux a eu le même mot aussi parce qu'elle est en foulard rouge aussi. Le 14 février, c'est le Saint-Valentin. N'oubliez pas vos proches, surtout vos partenaires de vie, parce que c'est une journée pour plusieurs. Le Saint-Valentin, c'est tous les jours de l'année. Mais on célèbre le 14 février ensemble. Le 18 février est la journée mondiale du patrimoine canadien et nous avons un devoir collectif de préserver notre patrimoine au sein de notre communauté. Le 20 février est la journée mondiale de la justice sociale. Soyons toutes et tous fiers de notre culture et développement social au sein de notre arrondissement. C'est le socle de notre politique. Comme vous le savez, notre arrondissement est réputé d'être un arrondissement plus les riches, mais nous savons toutes et tous que nous avons plusieurs poches de pauvreté. Monsieur Langevin connaît ça très bien. Il travaille très fort, d'ailleurs, pas juste dans ce dossier, mais surtout pour représenter les gens qui n'ont pas de voix. Monsieur Langevin fait un travail extraordinaire à ce niveau-là et c'est pour cette raison que je passe la parole à Monsieur Langevin. Je ne voulais pas intervenir ce soir, mais vous avez ouvert la porte en parlant de votre cravate rouge. Moi, j'ai quand même une petite anecdote à faire part. Cette année, j'ai cru, je ne sais pas pourquoi, que la Saint-Valentin, c'était le 2 février. J'allais partager sur mes médias sociaux. Moi, j'incite tous les hommes à faire cette erreur-là. Pour vous assurer que la Saint-Valentin ne dure pas seulement une journée, mais du 2 au 14. Comme ça, vous vous assurez beaucoup d'amour dans votre famille. Puis, mais quand même, n'oubliez pas le 14. Parce que vous pouvez commencer aujourd'hui, mais il ne faut pas passer la date. C'est juste ce que je voulais ajouter, M. le maire. Merci, M. Langevin. Vous savez, j'ai vu le post que vous avez fait sur Facebook et j'ai paniqué. Parce que j'ai dit, oh my God, j'ai oublié la journée, qu'est-ce que je fais maintenant? Puis là, j'ai réalisé que c'était le 14 et c'est vous, malheureusement, qui a fait l'erreur. Mais c'est correct. J'avais aussi un dernier point que je voulais souligner et je voulais terminer la séance de ce soir, au moins ma rubrique ce soir, avec un chaleureux merci à une personne qui a marqué la direction culture, sport, loisirs et développement social. Par sa vision, son implication et son ouverture en tant que directrice. Madame Francine Gervais a réussi une politique inclusive et rassembleuse. Ce fut un grand plaisir de collaborer avec vous, Madame Gervais, autour
du développement culturel et social de l'arrondissement qui est notre fierté. Aujourd'hui est votre dernière journée de travail à l'arrondissement, mais ce ne sera certainement pas la dernière pour notre collaboration. Bonne chance dans vos nouvelles fonctions. Francine Gervais, who is our Director of our Recreation, Sports, Social Development and Culture Department, is leaving us for other challenges, and I wish her great luck. And it is for sure due to her and her professionalism, her vision, and her kindness and her support that she's provided for the years that she's been with us, that we've been able to accomplish many good things for our community and for our citizens when it comes to social development, sports, culture. And of course, you've seen the result in the many different activities that we do in the borough, but also with our library, the upcoming aquatic center. She certainly had a hand in many of those files, and I wish her great luck and success in future endeavors. Madame Louise Leroux, vous avez quelques mots à dire aussi. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Bien, écoutez, je ne pourrais pas passer sous silence tout ce que Madame Francine Gervais a fait pour nous. Puis je vais m'adresser vraiment à Francine. Francine, merci. Tu nous lègues beaucoup, beaucoup ton passage ici à l'arrondissement. Tu as été comme une chef d'orchestre pour l'organisation de tout ça. Je sais que tu as une équipe, mais une équipe a besoin d'un chef d'orchestre. Et tout ce que tu as fait pour nous, pour les citoyens, c'est extraordinaire. On se rappellera tous là, des spectacles dans les parcs, puis de tout ce qui a été fait durant la COVID pour garder la culture et garder les gens là, motivés et encouragés, tout ça. Merci. Et je souhaite une bonne continuité où tu t'en vas. Vraiment, tu vas vraiment nous manquer énormément. Et on va garder de très bons souvenirs et on garde contact. Merci et au plaisir. Merci, Madame Leroux. Je vais aussi, en parlant de Saint-Valentin, on fait des blagues, bien sûr, mais on voulait vous demander aussi, nos citoyens, de faire le plus possible de supporter nos commerçants locaux, surtout pour n'importe quel jour, mais bien sûr pour le Saint-Valentin aussi, encourager nos commerçants dans l'arrondissement. They need us more than ever. So St. Valentine's Day, of course, is coming. Jokes aside, we need to provide the support necessary for the many small businesses that we have in our community and help them as they've been going through a very difficult time on and off for the last 2 years especially. And so with St. Valentine's around the corner, we'd ask you to do the best that you can to buy local and support them as we've done in the past and will continue to do as we move forward. Sur ce, je passe la parole à Mme Cloutier pour la période des questions de nos citoyens. Merci. Merci beaucoup, M. le maire. Alors, nous allons entamer la période de questions avec les questions en français. La première nous vient de M. Eric Python et la question va comme suit. Bonjour. Alors que le PPU Saint-Charles-Est semble-t-il lancé à pleine vitesse dans les prochains mois pour exploiter le plein potentiel de dessertes commerciales et de densification résidentielle qui soulèvent des enjeux de circulation et de cohabitation dans des perspectives de qualité de vie de ses résidents et de développement durable, et que, semble-t-il, le CCU n'ait plus l'intention de tenir des séances publiques, serait-il possible de mettre en œuvre les principes prônés de communication, de dialogue et de collaboration entre l'arrondissement de Pierrefonds-Hawksboro et les citoyens et de donner une mise à jour significative incluant notamment la date de diffusion et le site web de la politique de participation citoyenne adoptée à l'item 40.19 de la réunion du Conseil du 17 janvier dernier qui avait été promise très rapidement et de me la communiquer personnellement par courriel. Un autre point, la composition actuelle du communiqué du comité d'orientation du PPU et la possibilité d'inclure les citoyens, le plan de communication citoyen concerné et au grand public de l'intention, la portée et l'échéancier du PPU, le statut de la sélection, du démarrage, du rapport mensuel de janvier et des processus d'identification, d'information et de consultation des parties prenantes du consultant
du PPU, le calendrier, l'agenda, les procès-verbaux, les diffusions web et les consultations publiques des CCU cordialement. Monsieur le maire. Madame Cloutier, merci beaucoup pour la lecture de cette question. Monsieur Payton, merci de prendre encore une fois le temps de nous écrire ce soir pour un dossier qui nous concerne tous et j'espère que vous allez participer en grand nombre quand le dossier est lancé. Les dates de consultation, le plan de communication et la composition du comité d'orientation n'ont toujours pas été déterminés. Nous vous tiendrons informés dès qu'ils seront disponibles. Par ailleurs, la politique de consultation citoyenne prévoit certains éléments, entre autres mesures d'information, mesures de consultation, mesures de participation active et mesures de rétroaction. Ces mesures comprennent notamment aussi toutes mesures relatives à la production et à la communication d'informations au bénéfice des personnes intéressées, toutes mesures qui visent à permettre aux personnes intéressées de poser ou de faire des observations, notamment en exprimant des préoccupations, des attentes ou des opinions et en formulant des suggestions. Toutes mesures qui visent à engager activement les personnes intéressées et à leur reconnaître la possibilité de fournir un apport dans le processus décisionnel relatif à un acte, notamment en contribuant à l'identification d'enjeux, à la définition d'options, à l'évaluation de scénarios ou à la formulation de recommandations, et ce, dans le contexte d'une interaction entre les personnes intéressées, les représentants de l'arrondissement et tout autre intervenant. Toute mesure qui vise à rendre compte au bénéfice des personnes intéressées de la manière dont les résultats d'une mesure de consultation ou de participation active ont été considérés par l'arrondissement. Ça, je vous assure. Ces mesures remplacent les séances de formation de CCE et favorisent, comme on a dit plusieurs fois, le partage de l'information, la diffusion et la participation qui est primordiale citoyen dans l'élaboration du PPU. Encore une fois, M. Payton, je vous remercie sincèrement de prendre le temps et pour l'intérêt que vous démontrez dans ce dossier, j'espère, comme j'ai dit, que vous allez s'impliquer dans ce dossier pour nous aider à trouver des solutions pour surtout Saint-Charles dans ce cas. Madame Cloutier. Merci, M. le maire. Alors, la deuxième question en français nous provient de M. Denis Poirier. Sa question va comme suit. Bonjour, suite à votre séance du mois d'octobre de 2021, j'avais demandé que l'on entretienne la piste de la 5e avenue Nord et qui sort sur le boulevard des Sources. Rien n'a été fait. Je me pose la question pourquoi. Je vous invite à y répondre. Vous m'avez même dit qu'il y a plusieurs citoyens qui ont fait la demande. Ce sentier sera très en demande lorsque la station du REM sera en service. Encore plus qu'aujourd'hui, malgré qu'il soit déjà très achalandé, j'y passe moi-même 3 ou 4 fois par semaine. Monsieur le maire. Madame Cloutier, merci beaucoup encore pour la lecture de cette question. Monsieur Poirier, merci beaucoup encore de prendre le temps de nous écrire. Et juste en parenthèse, je sais que vous essayez de communiquer avec moi de temps en temps sur Messenger et c'est très apprécié. Mais ce n'est pas nécessairement l'outil pour communiquer directement avec les élus. C'est pour ça nous avons nos courriels de l'arrondissement et bien sûr nos numéros ici au bureau. Je vous invite de communiquer avec moi, soit par courriel. De temps en temps, je vais vérifier mon Messenger, mais malheureusement, ce n'est pas vraiment l'outil pour communiquer avec les élus directement. Mais merci de prendre le temps d'écrire la question. Le déneigement des sentiers de parcs ou pistes cyclables hors chaussée n'a jamais été effectué par le passé à l'arrondissement, comme vous savez très bien. La direction des travaux publics a une capacité financière et opérationnelle limitant ses actions dans certaines prestations de services. Malgré tout ça, chaque année, la direction des travaux publics évalue et revoit aux besoins ses services aux citoyens.
Cette demande sera évaluée, prise en considération et soumise, si nécessaire, au conseil d'arrondissement pour les saisons hivernales à venir. Qu'est-ce que je voulais ajouter aussi, M. Poirier, c'est que ça nous concerne aussi, bien sûr. On a eu quelques demandes dans le passé. On sait qu'on a des écoles. On sait, avec l'arrivée du REM, la station, il va y avoir plus d'achalandage à ces endroits-là, entre autres, parce qu'on a d'autres endroits aussi à considérer. On a demandé à nos services de regarder ça encore et d'évaluer, comme ils font déjà depuis longtemps, de trouver des solutions, comment on peut faire quelque chose comme ça. Une chose est sûre, les opérations hivernales sont concentrées sur les rues artérielles, locales, bien sûr les trottoirs, autour des églises, les écoles, ou ce qui reste, les personnes âgées, surtout sur Gouin et Boulevard Pierrefonds. On priorise ces gestes, même avant les patinoires de parc, comme vous savez très bien, et après, on fait les autres, on pose les autres gestes sur le territoire. Ça nous concerne aussi, M. Poirier, je ne veux pas fermer la porte parce que c'est quelque chose qu'on veut faire éventuellement, mais c'est de trouver la façon de le faire. Et j'ai toute ma confiance à M. Beaudoin, notre directeur des travaux publics, avec les équipes, pour trouver des solutions et de peut-être pour 5e Nord seulement ou d'autres endroits spécifiques pour rendre le transport actif un peu plus efficace dans l'arrondissement. Merci beaucoup pour la question, M. Poirier. Je vous souhaite une excellente soirée. Madame Cloutier. Merci, M. le maire. We're now going to move on to the English question period. The first question comes from Mr. Alan Oliver. And it goes like this. The two pedestrian access path between Rue Lucerne, Edward, Rachel were not plowed this winter. I spoke with City Councilor Benoit Langevin and submitted a list of dossier numbers from residents requesting the paths be plowed. The two accesses path were plowed this week, February 2nd. My question is, why was plowing not done previously, and can local residents now expect the path to be plowed regularly? Thank you. Thank you, Madame Cloutier, for reading this question once again. Mr. Oliver, thank you very much for taking the time to write us this evening. And as I mentioned in my French reply to Mr. Poirier, I can answer basically in the same way. And as I mentioned earlier, snow removal on the park trails and off-pavement bicycle paths have never been done in the past by the borough. The Public Works Department has a financial and operational capacity that limits its action in certain services. Each year, of course, as is the case not only with our Public Works, but with other services, they evaluate and revise their services as required. This request will once again be evaluated to see not only in the short term what we can do, but in the long term, as we start linking some of these passages, as I mentioned in my French answer, to some of the schools, some of our playgrounds, to the eventual REM stations, and other areas of interest that need to become accessible for all, promoting, of course, you know, active transport and having these areas used in a safe way. We also have to consider, when we look at this, it takes more than just the plowing of these areas. It is making sure that the security of these areas is also maintained. And oftentimes, these areas are used in the summer when the daylight hours are much longer than they are in the winter. So that would require other infrastructure to secure these areas adequately. At the moment, the financial and resources don't allow us for that type of activity. However, we are evaluating it, and hopefully we can come back with a pilot project as we move forward in the future to address this issue, as you've raised and some other residents have done in the past as well. So thank you for taking the time. We take this seriously, and we've asked our services to once again look at this and see how possible it could be in the future. Madame Cloutier. Merci, Monsieur le Maire. So the next two questions are from Martha Bond. And the first question goes like this. My question concerns item 40.01, adoption of bylaw CA290014-3, modifying bylaw CA290014,
regarding the Urban Planning Committee in order to modify the bylaw to change the manner in which meetings are held. In the future, when Urban Planning Advisory Committee meetings are held again at the Borough Hall, will there no longer be public meetings for some projects? Please explain why you and the Council find this is the best interest of the public and in the promotion of transparent urban planning and development. Monsieur le Maire. Thank you, Madame Cloutier. Mrs. Bond, thank you very much for asking this question, and I hope you're well. It is essentially the same answer that I gave earlier to the previous resident regarding the same type of question regarding the PPU St. Charles. In order to have a transparent and open communication with its citizens, the borough, as we mentioned in previous occasions, has adopted a policy on public consultations. This policy is called to advocate for honest, respectful, and open dialogue between the builders, citizens, and us, the politicians. It will favor, for certain projects, public participation based on the belief that those who are affected by the decision have the right to be consulted and heard in the decision-making process. It will also call for public participation for which its contribution will influence the Borough Council decision. It will hold for sustainable decisions by recognizing and communicating the needs and interests of all participants, including decision makers, to seek out and facilitate the involvement of those potentially affected by the decision, and to seek input from participants in designing how they participate. It will also call for the participation by providing the information they need, to participate in a meaningful way. And of course, communication to participants on how their input affected the decision-making process for certain projects. The policy will be, if not already, on our website. Madame Cloutier. Merci, Monsieur le Maire. So Martha Bond's second question is, will the borough or urban planning department continue to inform nearby residents by distributing a letter or notice of development projects in their immediate area? If not, why not? Monsieur le Maire. Merci, Madame Cloutier. Mrs. Bond, thank you for your second question. In fact, the public will be informed in accordance with the rules set out in the policy. A billboard on the property will advise people of the project, and people in the vicinity will be asked to post comments or review the project made available on the website. And as I mentioned earlier, if this policy is not already on the website, it will be very soon, and we will verify this evening if it is, and if it isn't, we will make sure that tomorrow morning it is on the site for everyone to look at. Madame Cloutier. Merci, Monsieur le Maire. So the last and third question is from James Bond. Concerning item 60.02, does the borough make the minutes of the PAC meetings available to residents upon request or on the website? If not, why not? Monsieur le Maire. Merci, Madame Cloutier. Mr. Bond, thank you once again for this question. Minutes of the PAC are available on request through the Information Access Law, of which you might know already. It is not public recommendation according to the law. I thank you very much for asking your question tonight, and I wish you good health, and hopefully we will all see each other once again in person. Merci à toutes et à tous de prendre le temps de nous écrire ce soir. C'est très apprécié, et j'espère de vous voir en présentiel très bientôt à l'arrondissement. On commence maintenant avec l'ordre du jour de notre séance. On est à 10.03, que soit adopté l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement. Je propose. J'appuie. Monsieur Tarakjan et Monsieur Langevin, merci. 10.04, que soit adopté le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 17 janvier 2022 à 19h. Je propose. J'appuie.
Madame Leroux et Monsieur Tarakjan, merci beaucoup. Pardon, j'ai perdu ma place dans l'ordre du jour. Le 15-01. Monsieur Langevin. En fait, je vous permettrai de, ben, je vous demanderai de lire la résolution. Ensuite, excellent. Merci. Je vais continuer avec l'attendu. Merci, c'est moi. J'avais perdu la page temporairement. Le 15-01, que soit proclamé la semaine du 14 au 18 février 2022 comme celle de la journée de la persévérance scolaire, que soit exprimé unanimement et publiquement la solidarité et le soutien envers les jeunes et envers l'ensemble des intervenants du réseau de l'éducation et que soit appuyée la campagne des Journées de la persévérance scolaire 2022 sur la thématique « Toutes et tous porteurs de sens » et que soient invités les élus à y participer. Ça me prend un proposeur appuyeur. Merci, M. le maire. D'entrée de jeu, je vais parler, je vais dans le fond lire la proclamation, puis ensuite proposer et ensuite demander à ma collègue Louise Leroux d'appuyer. C'est attendu que la campagne sur les journées de la persévérance scolaire, regroupant plusieurs partenaires, se tiendra du 14 au 18 février 2022 sur la thématique « Merci d'être porteur et porteuse de sens ». Et que cette journée se veuille un temps fort dans l'année témoignant de la mobilisation collective autour de la persévérance et de la réussite scolaire. Attendu que l'année scolaire 2020 et 2021 a été difficile et que l'année 2021 et 2022 l'est tout autant pour les jeunes ainsi que pour l'ensemble des intervenants et intervenantes du réseau d'éducation. Attendu que l'appui et la présence bienveillante de tous les adultes sont primordiaux en cette période. Attendu que élus, municipaux, veulent témoigner de leur solidarité et de leur soutien envers les jeunes et envers l'ensemble des intervenants et intervenantes du réseau de l'éducation. Attendu que les élus municipaux, collaborent aux efforts de la collectivité montréalaise en matière de persévérance scolaire et de réussite éducative, entre autres à travers le mouvement Réussite à travers le mouvement Réussite éducative, les élus et l'UE s'engagent de Concertation Montréal. Il est proposé par Benoît Langevin, moi-même, et appuyé par ma collègue Louise Leroux, de proclamer la semaine du 14 au 18 février 2022 comme celle des Journées de la persévérance scolaire, d'exprimer unanimement et publiquement la solidarité et le soutien envers les jeunes et envers l'ensemble des intervenants et intervenantes du réseau de l'éducation, d'appuyer la campagne des Journées de la persévérance scolaire 2022 sur la thématique « Tous et toutes porteurs de sens » et d'inviter les élus à y participer. D'ailleurs, je pense que ma collègue Louise Leroux avait un message ou un commentaire à suivre suite à cette proclamation. Merci. Merci, M. Langevin. Madame Leroux, merci. Merci, M. le maire. Merci, M. Langevin. Bien, écoutez, vous savez combien les élèves, ça me tient à cœur. Et je vais dire que portez votre ruban vert parce que c'est vraiment important. Surtout présentement dans une période qu'on vit depuis 2 ans. C'est pas facile pour les élèves et c'est très important de s'impliquer. Donc, des petits trucs comme ça, là, d'accompagner les enfants durant les sorties scolaires. Il va y avoir des fois des carnavals d'hiver. Allez-y avec eux. Participez aux rencontres et de parents. C'est important. Il y a les OPP, les organismes de participatifs de parents. Il y a les conseils d'établissement. Communiquez régulièrement avec l'enseignant de votre enfant. Montrez à votre enfant que c'est hyper important et que vous croyez à l'école. So speak positively about school. Highlight your child achievement. Encourage stick with it attitude. It's very important. And please
wear the green ribbon. Vraiment, c'est important. Puis, vous savez, Monsieur le maire l'a dit tantôt, il va avoir une conférence sur la motivation scolaire à la bibliothèque, donc je vous invite à y aller. Et je tiens à souligner le travail exceptionnel des enseignants. Et cette semaine, c'est la semaine des enseignants. Donc, à tous les enseignants et enseignantes, ben, écoutez, je vous souhaite une semaine douce et continuez votre excellent travail. Et merci aux parents de supporter les enfants. Merci, Mme Leroux. Monsieur Langevin, ça nous amène à 15.02. C'est une proclamation, la première journée nationale de la promotion de la santé mentale positive qui est le 13 mars 2022. Considérant que le 13 mars 2022 est la première journée nationale de la promotion de la santé mentale positive, considérant que le 13 mars 2020 date de la déclaration de l'état d'urgence sanitaire au Québec, tu fais de la menace grave à la santé de la population que constituait la pandémie de la COVID-19, représente un moment clé de la prise de conscience par la société québécoise de l'importance de la santé mentale positive et de son soutien continu. Considérant que la promotion de la santé mentale positive vise à accroître et à maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience. Considérant qu'il y a été démontré que par leur initiative diverses, les municipalités peuvent jouer un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale positive de leurs citoyennes et citoyens. Considérant que le mouvement Santé mentale Québec et ses organismes membres lancent le 13 mars 2022 leur campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Choisir, c'est ouvrir une porte ». Considérant que le mouvement Santé mentale Québec offre au cours de la campagne de nombreux outils favorisant le renforcement de la santé mentale de la population du Québec et utilisable tout au long de l'année. Considérant, dans le contexte de la pandémie, les individus, les organisations et les collectivités ont besoin plus que jamais de s'outiller pour favoriser la santé mentale. Il est proposé que l'arrondissement appuie la proclamation de la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive et invite toutes et tous les citoyens et citoyennes ainsi que toutes les organisations et institutions de votre municipalité à faire connaître les outils de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Choisir, c'est ouvrir une porte ». Ça me prend un proposeur et appuyeur. Je propose. J'appuie. Monsieur Langevin, Madame Leroux, merci. Madame Leroux, vous avez quelque chose à ajouter dans ce dossier? Oui, bien, écoutez, merci beaucoup, Monsieur le maire. La semaine dernière, c'était la semaine de prévention du suicide, mais je pense que c'est important. On vit dans un moment pas facile pour certaines personnes. Il faut agir avant le point de non-retour. Donc, écoutez, je vous donne les informations. So, Suicide Prevention Week was last week. This is the number. If you know someone or if you need any help, please, you can contact 24 hours, 7 days a week. The 1-866-277-3553. Or you can go see on www.suicide.ca. Don't wait, because waiting, it's maybe too late. Donc, je vous donne le numéro de téléphone pour pouvoir contacter la ligne québécoise de prévention du suicide. Donc,
Excusez-moi, je pense que mon ordinateur gèle, mais la ligne de la ligne québécoise de prévention du suicide, accès 24 heures sur 24, 7 jours semaine, c'est 1-866-APPEL. Donc, c'est les numéros, c'est le 277-3553. Et n'hésitez pas à communiquer avec aller voir le www.suicide.ca. Merci. Merci, Mme Leroux. On est rendu à 20-01. Et si je peux demander à Mme Ferrandon de lire le texte comme il faut sur 20-01, parce que je crois qu'on a eu un changement, n'est-ce pas? Et je n'ai pas le document avec moi ici avec le changement. Bonjour, Monsieur le maire. Oui, tout à fait. C'est donc un changement au niveau du titre et à l'intérieur du texte. Donc, subvention avec convention vers cité, couches lavables et produits d'hygiène féminine durable. Donc, il est proposé par et appuyé et résolu d'accorder une contribution financière de 4 500 $ à Versité pour la gestion du programme de subvention de couches lavables et du programme de produits d'hygiène féminine durable pour le territoire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. Autoriser Mme Louise Zampini, chef de division culture, bibliothèque et développement social, à signer la convention au nom de la ville, que cette contribution soit payée selon les informations financières contenues au dossier décisionnel, à même le budget de fonctionnement 2022. Merci, Mme Ferrandon. S'en prend un proposeur appuyeur. Je propose. J'appuie. Monsieur Langevin et Mme Talbot, merci beaucoup. Je pense, Mme Leroux, vous avez un autre message à nous dire ce soir, à nous parler, partager ce soir. Bien, écoutez, merci beaucoup, Monsieur le maire. Encore une fois, bien, je trouve que c'est un bel exemple qui nous démontre l'engagement que nous avons pour nos citoyens. Et je vous invite à utiliser ce programme-là qui va avoir un impact direct au niveau environnemental. Donc, tous les petits gestes comptent pour garder notre belle planète. So, it's a fine example that demonstrates that the borough commitment to the environmental and all little gestes sure count. So, please use it. So, pour les produits d'hygiène féminin et pour les couches lavables, s'il vous plaît, vous pouvez toujours contacter l'arrondissement pour avoir plus de détails. Merci. Madame Leroux, merci beaucoup. 20-02. Oui, merci, Monsieur le maire. Ayant un certain lien avec deux organismes visés dans ce dossier, je souhaite m'abstenir de participer au vote afin d'éviter toute apparence de conflit d'intérêts. Merci. Merci, Mme Talbot, pour l'information. 20-02, que soient versées des subventions provenant du budget de fonctionnement 2022 aux organismes à but non lucratif suivants pour la saison 2022 pour un montant indiqué en regard de chacun, totalisant 187 399. Que Mme Louise Zampini, chef de division culture, bibliothèque et développement social, soit autorisée à signer les conventions entre le nom au nom de la ville, pardon. Que M. Jason Richard, chef de division sport, loisirs et installations, soit autorisé à signer les conventions au nom de la ville. Sport et loisirs, Association de basketball Brookwood-Pierrefonds, 3727. Association de hockey mineur de Pierrefonds, 12 000. Commission de ringuette de Pierrefonds, 4306. Association de soccer de Pierrefonds, 12 000. Club de badminton Pierrefonds, 2402. Club de baseball de Pierrefonds, 8281. Club de patinage des deux rives, 5548. Club de patinage de vitesse de DDO, 704. Les YMCA du Québec, 9855. Ligue de football North Shore, 5010. Club de lutte olympique Riverdale, 460. Fondation Jeunes Étoiles, 1806. Karaté d'eau, Pierrefonds-Roxboro, 1311. Scoutisme francophone de Pierrefonds-Roxboro, Inc., 1732. Scoutisme des apôtres de Montréal, 247. Association échecs et mathématiques, 300. Ligue de basketball extérieur de l'Ouest de l'île, 300. En développement social, action
pour le montant de 8 000, chaque organisme, Association de l'Ouest de l'Île, Ajoie, Carrefour, des 6, 12, 1 de Pierrefonds-Est, Centre d'intégration multiservices de l'Ouest de l'Île, Cloverdale, Multiresources, Fonds d'aide de l'Ouest de l'Île, Maison Caracol, CPSC de Pierrefonds-Est, Maison des jeunes de Pierrefonds, Refuge des femmes de l'Ouest de l'Île, Service communautaire On Rock. Maintenant, pour 3 000 $ AMCAL Family Services, CALAC de l'Ouest de l'Île, Centre de crise de l'Ouest de l'Île, Centre famille de ressources EDD, Corbeil de pin, Lac-Saint-Louis, Cumulus, Perspective communautaire en santé mentale, Projet communautaire de Pierrefonds, Ricochet, West Island Association for the Intellectually Handicapped, West Island Black Community Association, West Island Mission. Maintenant, pour 300 $ Abovas, Amis de la santé mentale, banlieue Ouest, Carrefour Jeunesse Emploi de l'Ouest de l'Île, Centre Action Bénévole Ouest de l'Île, Centre Ressources Communautaires de l'Ouest de l'Île, Nina Vita, Parrainage Civique de banlieue Ouest, et RSDO. Maintenant, Overture for the Arts 5000 et Ruée vers l'art 2000. Monsieur Tarakjan, je pense que vous avez quelque chose à ajouter dans ce dossier. Oui, monsieur le maire, merci beaucoup. Dans l'esprit des compétitions des Jeux olympiques qui se déroulent actuellement, j'aimerais aussi vous annoncer que j'aurai le plaisir de travailler au développement des sports et loisirs de notre ville. Cette fonction est tout à fait en accord avec ma passion pour le sport, mon expérience ainsi que mon implication dans la communauté. Ce projet me tient grandement au cœur et j'espère avoir le privilège de travailler avec vous. Merci. In the spirit of competition and with the Olympics going on at this time, I would like to also announce that I'll be working on the development of sports and leisure in our city. This position is in line with my passion for all sports and with my history and involvement in the community. This will be a subject that is close to my heart, which I look forward to be working on. I just want to add that this moment in time, it's so important for us to cheer on our athletes, our Canadian athletes, our local athletes, as we begin to start this whole process of getting back to some sense of normalcy. And I would like everyone to be positive and push this subject forward. It is so crucial for our young children, our adults, and everyone. So let's go forward and let's be positive. Thank you, Monsieur le Maire. Monsieur Tarakjan, merci beaucoup pour ces commentaires. Je pense qu'on a Mme Talbot avec quelques mots à dire aussi. Oui, évidemment, je m'abstiens de voter, mais par contre, je souligne ce travail colossal qui a été fait par l'équipe des sports, loisirs, développement social et culture. Il s'agit d'une cinquantaine d'organisations qui ont été étudiés, on les a passés au peigne fin, on a fait faire des contrats et tout ce travail-là est fait avant que l'on puisse de façon correcte en tant qu'arrondissement favoriser tous de la façon dont ils ont besoin. So this was a work and this was made with the team of Francine Gervais, that is not going to be with us anymore, sadly. This is all the 50 organism, culture, social work, sports, and the work that everybody has signed a contract. Everything was done in a very, very professional way, which I thank all the team to do so. I encourage you to go back to culture. I remember being in the Centre Culturel de Pierrefonds with Madame Gervais and listening to a blues concert, sometimes to classical pieces. So it's so nice to be back on the road again with those. Alors, s'il vous plaît, profitez du fait
qu'il y a un élargissement des mesures et fréquenter nos salles. Surtout, Monsieur le maire, comme vous l'avez dit, ça sera gratuit pour un bout de temps. Alors, une autre bonne raison d'y aller en vous enregistrant et en répondant aux normes qui sont exigées. Thanks, Monsieur le maire. Effectivement, Mme Talbot, merci beaucoup. Avant que je passe la parole à M. Langevin, je voulais ajouter, effectivement, c'est grâce au travail de notre service de culture, sport, loisirs et développement social pour la politique de reconnaissance qu'on a approuvée au niveau de notre conseil pour donner un meilleur service à nos associations. Et vous voyez très bien notre commitment ce soir avec des subventions qui totalisent à peu près 190 000 à plusieurs organismes qui donnent un service exceptionnel sur le territoire. So again, it is primarily due, yes, to the incredible associations that do the work that they do in our community, armies of volunteers that provide these viable services to folks of all ages in Pierrefonds-Roxborough. But it is also due to the fact that we've revitalized, if you will, the recognition policy for the borough that works in an equitable way to provide the necessary funding to the organizations. However, also leaves an opportunity for them for growth, to expand and to provide additional services that could merit in the future to receiving additional funding necessary to give these services to our community. And as we all know, local organizations are the cornerstone of every community, and the volunteers do this exceptional work that is absolutely priceless in any community, and it is a direct extension of who we are in any city. And that's why tonight you see grants totaling to about $190,000 that we have and we will be forwarding to our groups to be able to provide these services directly to the people who benefit from it most. So if I have any other messages, allez sur le site web, consultez les organismes qui donnent ces services dans l'arrondissement, inscrivez-vous, et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas de communiquer soit directement avec nos organismes ou par l'arrondissement, et ça va nous faire plaisir de vous mettre en contact, comme j'ai fait d'ailleurs la semaine passée pour certains citoyens. Ça va nous faire plaisir de vous mettre en contact avec ces organismes-là. Merci, Monsieur Langevin. Merci, Monsieur le maire. J'entends mes collègues Shahi Tarakjian et Catherine Clément-Talbot parler de débris de services qu'il y a pu y avoir en culture et en sport. Et je dois vous dire que la pauvreté, elle, n'a pas eu de répit, n'a pas eu de pause. La pauvreté, au contraire, s'est plutôt accentuée parce que l'isolement amène de l'isolement. Puis malheureusement, la COVID a forcé beaucoup de gens à s'isoler davantage. On a à l'arrondissement des poches de pauvreté qui sont importantes puis qui nécessitent un soutien de nos groupes communautaires. Vous savez, le développement social, c'est le filet de sécurité de notre justice sociale. C'est le dernier rempart pour pouvoir assurer des besoins de base chez nos résidents les moins nantis. Aujourd'hui, on est très fiers de voter de façon équitable suite à des mois de préparation, comme vous l'avez nommé, M. le maire, dans notre politique inclusive de reconnaissance communautaire. Cet effort vise à donner la flexibilité à nos organismes et sortir d'une logique de projet. Comme ex-directeur général d'un organisme communautaire dans l'arrondissement, je peux vous dire que de gérer 76 projets sur le territoire, dont 10 avec la municipalité, avec 10 avec la Ville de Montréal. On a énormément de reddition de comptes et énormément de charges administratives qui font que, ben, des fois, on aimerait mieux mettre plus d'heures à intervenir auprès des gens qui le veulent, auprès des gens qui en ont besoin, mais on doit s'assurer de renouveler nos ententes et on doit s'assurer de démontrer une administration impeccable pour être certain qu'on ait finalement la transparence et la confiance de vous, chers résidents, pour continuer la lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale. Je pense que la décision d'aujourd'hui, c'est la bonne. La décision d'octroyer ces fonds-là
après une analyse extrêmement exhaustive de nos services, comme vous l'avez déjà nommé. Je tiens quand même à réitérer aussi que c'est aujourd'hui qu'on passe cette décision. Et c'est aussi le 20 février, qui est la journée mondiale de la justice sociale, comme vous l'avez dit dans votre rubrique. On est très fiers à l'arrondissement d'avoir cette culture de développement social, d'entraide, de solidarité. Et on est à l'écoute des idées, des projets qui peuvent être proposés. Donc, si vous avez, vous en tant que citoyen, groupe de citoyens, vous vivez une certaine détresse, vous vivez un certain isolement, n'hésitez pas à nous joindre, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous et on va vous mettre avec les bons canaux. On a des experts, des champions, des héros, des gens qui ont fait un travail colossal depuis le début de la pandémie, localement et régionalement, je dois le dire, parce que la pauvreté, il n'y a pas de frontières. On a des gens qui sont arrivés, on a des gens qui sont partis. Monsieur le maire, c'est tout ce que j'avais à dire sur le point 20.2. Puis, je suis très content de passer cette résolution-là. Merci. Merci, Monsieur Langevin. Ça nous amène à 20.03. That be granted contract number SP 2021-15 to the compliant tender SNC-Lavalin for the amount of its tender for a maximum sum of 80,312 taxes included for professional engineering services for the analysis of signage on street parking regulations and speed limits in the school zones in the borough of Pierrefonds-Roxboro, that be authorized the total expense of 88,343 taxes included, with which covers the contractor's contract and the 10% contingencies taxes included. Monsieur le maire, je pense que Madame Ferrandon avait levé la main si j'ai vu ça. J'espère que avant d'approuver la résolution. Madame, il n'y a pas eu de proposeur et de secondaire. Tout à fait, monsieur le maire, je me permets de vous interrompre pour le proposeur et l'appuyeur pour le 20.02. Oh, pardon, effectivement, le 20.02, ça me prend un proposeur appuyeur, effectivement. Je pense que c'était monsieur Benoît et madame Louise. Je vais proposer. Et j'appuie. Merci. Alors, pour le 20.03, monsieur le maire, j'appuie. Je propose. Et moi, j'appuie. Merci, madame Talbot et madame Leroux. 30.01. Ça nous amène, 30.01, administration de finances, que soit approuvée la reddition financière au montant de 143 252 pour la période du 27 novembre au 31 décembre 2021. Je propose. J'appuie. Merci. 40.01. Que soit adopté le règlement CA 29.0014-3, modifiant le règlement CA 29.0014 concernant le comité consultatif d'urbanisme afin d'y apporter diverses corrections et divers ajustements, d'ajouter des dispositions concernant la durée des mandats et le renouvellement de mandat des membres, de modifier le mode de tenue des réunions et d'ajouter des précisions quant au conflit ou à l'apparence de conflit d'intérêts et de corriger diverses coquilles, qui est le 40.01. Je propose. J'appuie. Madame Leroux et Madame Talbot, merci. Le 40.02, c'est un avis de motion qui est donné par le conseiller ou conseillère de l'inscription de l'adoption en séance subséquente du règlement numéro CA 29.00971, modifiant le règlement d'administration des règlements d'urbanisme de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, numéro CA 29.00097, afin d'y apporter diverses corrections et ajustements et d'ajouter des dispositions concernant les documents à soumettre dans le cadre de certains types de demandes de certificats d'autorisation. I will give the notice of motion. Merci, Monsieur Langevin. Le 40.03, que soit adopté le règlement C29.0132 concernant le comité de circulation. Je propose. J'appuie. Madame Talbot et Monsieur Langevin, merci. 40.04, c'est un autre avis de motion et donné par le conseiller et conseillère de l'inscription
pour adoption à une séance subséquente du règlement C29-0116-2, modifiant le règlement C29-0116 sur le traitement des membres du conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Rosebois afin d'établir une rémunération annuelle supplémentaire du président du comité de circulation conformément à l'article 8 de la loi sur le traitement des élus municipaux. Le conseiller présente publiquement le contenu du projet de règlement en faisant lecture de texte joint de la présente. Un avis public sera publié sur le site Internet de l'arrondissement. Monsieur Langevin. Est-ce que vous voulez que je donne le descriptif? Oui, s'il vous plaît. Je donne l'avis de motion relatif au règlement. Si vous mentionnez que vous avez nommé le règlement CA29-0116-2 sur le traitement des membres du conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro afin d'établir la rémunération annuelle supplémentaire du président de ce dit comité de circulation. Une copie a été remise à chacun des élus. Ce règlement établit la rémunération annuelle supplémentaire du président de comité de circulation à 3 795 $. Merci, M. Langevin. 40-05. Que soit adoptée la résolution pour le PP 2021-005 visant à autoriser au 10 406 boulevard Gouin sur le lot mentionné du Codage du Québec, l'occupation du bâtiment principal existant par 3 logements au lieu du maximum de 2 logements prescrits au règlement de zonage en vigueur pour le zone C7-428, dans laquelle l'immeuble est situé, et d'établir les normes s'y rattachant, et ce, nonobstant toute disposition contraire inscrite au règlement de zonage C29-0040, d'assortir l'acceptation du présent PPCMOI aux conditions suivantes. Que le garage privé existant soit démoli. Qu'une clôture de mailles de chaîne soit installée afin de délimiter la cour latérale droite adjacente au 10 408 boulevard Gouin-Ouest, dont le rez-de-chaussée est occupé par l'usage commercial. La clôture doit avoir une hauteur de 2 mètres et être ajourée au maximum de 20 % sur sa surface. Des conifères doivent être plantés au long de la clôture et des lattes doivent être installées sur la clôture afin d'assurer l'opacité requise. Qu'un plan d'aménagement paysager des cours avant et latérales droites indiquant, entre autres, l'ajout de verdure et au moins un arbre ou des arbustes en cours avant, ainsi qu'une aire de stationnement fonctionnel soit déposée et approuvée par la Direction développement du territoire et études techniques. Que les travaux de remplacement de revêtements extérieurs et des fenêtres soient complétés. Que les poutres d'acier en saillie existantes sur l'évaluation latérale droite du bâtiment soit retirée et coupée, et finalement, que les demandes de permis et autorisations nécessaires à la réalisation du projet soient effectuées dans les 24 mois suivant l'entrée en vigueur du présent PPCMOI, c'est le 40-05. Je propose. Et j'appuie. Madame Leroux, M. Langevin, merci. 40-06. Que le Conseil prenne acte du dépôt du procès verbal de la consultation écrite relative à la demande de dérogation mineure pour le 92 rue de Laurier, tenue le 17 janvier 2022 au 1er février 2022, conformément aux dispositions du décret ministériel numéro 2022-54 du 16 juillet 2021. Je propose. J'appuie. Madame Leroux, M. Langevin, merci. 40-07. Que le conseil refuse la demande de dérogation mineure mentionnée concernant le lot 6278-244-92 rue de Laurier-Pierrefonds visant à permettre dans la zone H18-452 une profondeur du lot minimum du 21,7 mètres au lieu du minimum requis de 27 mètres. Je propose. J'appuie.
Monsieur Langevin, Madame Leroux, merci. 40-08. That be approved the cadastral operation under minutes number 1699 prepared by Talel Mahfoud, land surveyor on February 12, 2021, showing the creation of lots 6425162 of the Cadastre du Québec Montreal registration, replacing lots 1369287 and 1369288 at 13357 Boulevard Going West, that be paid to the borough as part of the issuance of the subdivision permit, a compensatory sum of $72,861 as fees for park purposes and application of the bylaw concerning land transfers for the establishment, maintenance, and improvement of parks and playgrounds and the preservation of natural areas within the territory of the Ville de Montréal. 40-08-40-08. I propose. I concur. Monsieur Tarakjan, Madame Talbot, merci. 40-09, que soit approuvé le PIA pour la construction d'un nouveau bâtiment multifamilial, 7 unités isolées de 2 étages à 13357 Boulevard Gouin-Ouest, lot projeté 6425162, le 40-09. I propose. J'appuie. Monsieur Tarakjan, Madame Talbot, merci. 40-10, que soit approuvé le PIA pour la construction de nouveaux bâtiments unifamiliaux isolés aux 2 étages, au 53 12e avenue, lot 1390205. Je propose. J'appuie. Madame Leroux, Monsieur Langevin, merci. 40-11. Que soit approuvé le procès verbal du comité de signalisation et sécurité routière du 16 décembre 2021, que l'annexe A du règlement 868 concernant la circulation et la sécurité publique sur le territoire de l'ancienne ville de Pierrefonds soit modifié comme suit. Que le règlement 98-596 régissant le stationnement sur les voies publiques de l'ancienne ville de Roxboro soit modifié comme suit. Numéro 1, rue Marceau. Que soit installé un do-down avec dimension, marquage et signalisation conforme aux normes de tome V de Transport Québec sur la rue Marceau entre les rues Huntington et Rita vers le centre de tronçon d'une distance égale des entrées Chartières du 5920 et 5930 rue Marceau, tel qu'indiqué au croquis numéro mentionné 6 juin. Numéro 2, rue Marceau. Que soit installé un ralentisseur de vitesse avec dimension, marquage et signalisation conforme aux normes de tome V de Transport Québec sur la rue Marceau entre la rue David et Léo vers le centre de tronçon d'une distance égale des entrées Chartières de 5217 rue Marceau, tel qu'indiqué au croquis numéro indiqué 6 juin. Rue Fox. Que soit installé un ralentisseur de vitesse avec dimension, marquage et signalisation conforme au nombre de tombes V de Transport Québec sur la rue Fox entre les rues Racine et Delray au centre de tronçon d'une distance égale des entrées Chartières du 4940 et 4942, tel qu'indiqué au croquis numéro mentionné 6 juin. Numéro 4, rue Timmins et boulevard Pitfield. Que soient installés les panneaux stationnement interdit à deux faces placées à 90 degrés par rapport aux axes du chemin public le long du mail central de la rue Timmins sur chaque deuxième lampadaire, l'intervalle maximal entre chacun des panneaux est de 100 mètres. Que soit installé un panneau stationnement interdit avec flèche vers la droite du côté sud de la rue Timmins, 5 mètres après la fin du rayon de l'intersection de boulevard Pitfield afin d'allouer les engagements nécessaires pour les manœuvres de virage des camions routiers. Que soient installés des panneaux stationnement interdits avec flèche du côté sud de la rue Timmins, 5 mètres avant les entrées Chartières du 92-45 et 92-51 rue Timmins, afin de permettre aux camions de pouvoir manœuvrer et accéder un stationnement de façon sécuritaire, que soient installés des panneaux interdiction à faire demi-tour, un de chaque côté sur la premier fût permanent
à l'est de l'intersection Timmins et Boulevard Pitfield de façon à être visible des deux directions conformément au C24-2, code de la sécurité routière indiqué, que soit enlevé le panneau dépôt de neige présentement installé à l'est de l'intersection Timmins et Boulevard Pitfield, tel qu'indiqué au croquis numéro mentionné 6 juin. Ça me prend un proposeur appuyeur. J'ai un autre que j'ai pas vu sur l'autre page. C'est le numéro 5. Que soit ajouté un marquage au sol, à la rampe à bateau et dans l'espace de manœuvre des symboles stationnement interdits, inspirés des dimensions du gabarit marque 12, fauteuil roulant, référence tome V, numéro mentionné au sein d'un gabarit pour le stationnement interdit déjà installé par les travaux publics. Lettrage Highway Gothic noir, cercle rouge avec barre diagonale de 45 degrés, fond blanc à l'intérieur du cercle, peinture antidérapante selon normes Transport Québec, tel qu'indiqué au croquis numéro 6 juin. J'en prends un proposeur appuyeur pour 41. Je propose. J'appuie. Madame Talbot et Monsieur Langevin, merci. Le 51-01. Monsieur le maire. Monsieur Tarakjan. Monsieur le maire, avant de lecture de la résolution, ayant certains liens avec une des membres nommées dans ce dossier, je souhaite m'abstenir de participer afin d'éviter toute apparence de conflit d'intérêts. Merci pour la clarification, Monsieur Tarakjan. C'est très apprécié. Le 51-01, que soit approuvée la nomination des membres du comité de circulation pour la période du 8 février 2022 au 6 février 2024 et que soit fixée leur rémunération. Je propose. J'appuie. Madame Talbot, Monsieur Langevin, merci. 60-01, que soit déposé au conseil municipal le bilan annuel 2021 relatif à l'application du règlement sur les pesticides de la Ville de Montréal et de la lutte intégrée. Je propose. J'appuie. Madame Talbot et Madame Leroux, merci beaucoup. 60-02, que le conseil prenne acte du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 12 janvier 2022 et du procès-verbal de la réunion du comité d'architecture tenue le 16 décembre 2021. Je propose avec plaisir. I concur. Madame Leroux et M. Tarakjan, merci. 70-01, que la séance soit levée. Je propose. J'appuie. M. Tarakjan, M. Langevin, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. J'espère de vous voir très bientôt en présentiel ici au conseil, à la salle du conseil à l'arrondissement. On vous souhaite un mois de santé et j'espère de vous revoir au mois de mars. Thank you very much for joining us, folks. Hopefully, we'll see you here in public sessions at some point very soon. I wish you all great health and we'll see you again next month. Merci. Bonsoir.